ira guilen ira me forora teme baba ninga falene be ira guilen ira me forora imuti mirio wi me de ira me kafera imuti fefe su de ira me kafera Bonjour. Manège du Savoir continue sa tournée en Europe et on est une fois, cette fois, en France. En France, c'est dans la banlieue parisienne, dont on appelle Val d'Oise. Et nous sommes au domicile de monsieur et madame Dieu Messie. On va en parler longuement. Monsieur et madame, bonjour. Merci. Voilà. Alors, je rappelle que le docteur Dieu Messie Antoinette, nous vous avons rencontré pour la première fois. Il était question de parler longuement de votre brillante carrière. Vous êtes dentiste, ce fut hier, mais aujourd'hui, ce qui nous fait revenir vers vous, c'est parler l'aspect culturel et en particulier, vous êtes princesse, une nouvelle que vous avez, dont on ne pouvait pas évoquer la dernière fois puisque nous étions dans la médecine. Alors, comment devient-on princesse? Ben, pour répondre à la question, il y a deux façons de le devenir. Il y a y arriver de naissance, comme moi, parce que mon géniteur était un chef, ou alors aller à la chefferie, acheter le titre. Vous pouvez nous situer, vous appartenez à quelle chefferie de Voilà, je suis donc la fille de M. Tamézé Joseph, chef Fonwala, infirmier en son temps, et il est sorti de l'école de formation en 1934. Il connaissait la valeur des études et il nous a enseigné la valeur travail. Et on est dans quelle région, permettez-moi, quelle région de Cameroun? Tchang. Il y a d'ailleurs une chirurgie à Tchang parce que mon père, justement, était dans la chirurgie. Il y a une chirurgie à Tchang, un bloc qui porte son nom. Voilà. Un pavillon qui porte son nom. Et donc, quand on est princesse, évidemment, qu'est-ce qui se passe? On est né princesse, il y a une formation, il y a des habitudes. Comment ça se passe? Évidemment, on est né princesse, comme vous le dites, mais le père aussi vous nomme, vous installe dans la fonction. Tous les enfants de la chefferie ne portent pas tous au même degré ce titre. Mais ils sont quand même princesses, hein, comme princesses, vous par exemple, même, vous avez une sœur, vous avez des sœurs, voilà, elles sont princesses également ou pas? Princesses également, sauf que le père décide de choisir, je pourrais dire, un gouvernement, si vous permettez l'expression. Donc il nomme, c'est ma faux. Il nomme, c'est quoi les mafos? C'est donc l'équivalent des ministres. Voilà, c'est une princesse anoblie. Voilà, c'est une princesse anoblie. Alors donc, au niveau des habitudes, par exemple, les vêtements, elles sont cousues par la chefferie avec un rite spécial. Les aliments, parce que nous, en dehors de nous, de l'extérieur, on n'imagine pas ce que peut être et ce qu'est en réalité la vie d'une princesse, son éducation, sa culture, ses habitudes. Oui, le jour de la nomination, certains parents donnent des tenues d'apparat que le jour où on vous nomme, on vous habille avec ces tenues-là. Donc ça fait partie de... Et donc il y a une chefferie compte à peu près combien de personnes en gros pour l'essentiel? Une vingtaine de personnes? Enfin, vraiment de la chefferie? Ça dépend vraiment. C'est chaque chef. C'est à la discrétion de chaque chef. C'est à la discrétion de chaque chef. Et donc, alors vous, je continue un petit peu à visiter à travers vous, à imaginer les habitudes d'une chefferie. Oui. Et donc, vous vivez un peu comme tout le monde, les mêmes aliments. Vous êtes né et grandi à Tchang, c'est-à-dire que vous allez au marché, enfin vos sujets vont au marché pour acheter les mêmes aliments, comme nous, comme le Camerounais lambda. Oui, mais il y a des cérémonies quand même organisées par les gens initiés.
on vous initie quand même. Vous êtes initié par les parents, les doyens. Mais nous, je dois avouer que nous avons eu une éducation vraiment mixte, occidentale, parce que mon père était vraiment travaillé avec les Français, à l'époque les coopérants, les médecins coopérants à l'époque. Donc on a eu vraiment une éducation mixte. On a eu une éducation mixte. Mais il a mis l'accent aussi bien sur l'éducation des Blancs, en nous envoyant à l'école, comme je vous ai dit tantôt, à 4 ans. Je suis rentré à l'école maternelle à 4 ans, comme les enfants d'ici. Et en même temps, il nous disait, voilà à peu près les valeurs de notre pays, voilà à peu près ce qu'il faut faire. Et je dois dire que pour cette formation-là, il nous amenait souvent avec lui. On l'accompagnait souvent. Si je comprends, princesse du monsieur Antoinette, oui. Pour votre père, puisque vous en parlez, les études sont aussi importantes que la culture bamiléké. Absolument. Il y a tenu. Il a eu des parents, des patrons femmes médecins. Il a dit, ma fille sera médecin. Mais en même temps, il n'arrêtait pas de nous dire, voilà ce qu'il faut faire au village, voilà ce que demande la tradition bamiléké. On a fait les deux. Alors aujourd'hui, pour être précis et tout à fait honnête avec vous, vous travaillez, vous vivez et travaillez en France. Les habits d'une princesse, de la princesse que vous êtes, princesse du monsieur Antoinette, vous les avez rangés au placard et vous les gardez maintenant, vous les sortez que lors des cérémonies, lorsque... Ben évidemment, je ne peux pas aller en consultation avec... moi, je vais en consultation en tailleur, en costume... Si vous voulez. Vous n'oubliez pas pour autant votre culture. Ah ben voilà, je n'oublie pas que si on m'invite, je ne sais pas, à un baptême camerounais, que je vienne avec une tenue traditionnelle. Votre père marquée. Votre père, pardonnez-moi de vous interrompre, oui. Votre père vous a beaucoup marqué. Oui. À chaque fois, on ne peut pas échanger avec vous sans que vous parliez de ce grand homme qui demeure pour vous. Quelqu'un de très important. Et pourquoi vous parlez peu de votre maman? Ben écoutez, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais je vous dis, il nous a tenus par la main, il nous a appris à lire et à écrire, et il a beaucoup valorisé la vie de la femme. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand mon père s'annonçait à des funérailles au Cameroun, à Tchamp, ou bien à des enterrements des personnalités, c'est ma grande sœur qui venait tirer des canons pour annoncer la venue du chef d'Amézé. Vous voyez, il a donné une grande importance aux filles. Donc quand on disait le chef Fongwala arrive, c'est ma grande sœur qui tenait le pistolet et qui s'annonçait de cette façon-là. Et quand le chef arrivait, il se faisait qu'on le saluait ou on... Oui, bah, évidemment, quand le chef arrivait... La délégation qui voit donc la petite fille qui arrive avec ses coups de canon, on se dit, monsieur tel est là. Et on commence déjà à organiser, à savoir où on va le placer, voilà. Princesse du monsieur Antoinette, comment on salue le chef? Le chef arrive en votre langue, on le salue comment? On courbe la main. Mais on fait plutôt ça. Montrez-nous comment on voilà. fait. Voilà, on ne tend pas la main. N'est-ce pas? On frappe plutôt comme ça. Combien de fois? Une fois. En se courbant un tout petit peu. Et comme nous disait notre père, parfois, il faut aussi mettre la main devant la bouche pour que les mauvaises odeurs de votre bouche ne gênent pas. C'était pour dire qu'il fallait lui dire bonjour, mais pas trop de familiarité, en fait. Mmh. Il fallait le dire. Certains vous tendent la main par rapport à votre rang social. Mais c'est lui qui doit tendre la main. À côté de vous, princesse du Messie Antoinette, votre époux, qui est aussi médecin, qui est professeur de médecine, monsieur du Messie Sustain, qui est également chef, grand chef traditionnel. Vous ne faites pas les choses à moitié. Professeur, comment venez-vous, en tout cas, comment vous devenez chef traditionnel? On dirait que vous et votre épouse, vous vous êtes donné rendez-vous, elle est princesse, et vous êtes devenu chef traditionnel.
Il faut dire qu'au départ, je suis de la famille royale de Chang. Qui s'appelle Foreke Chang. Je suis donc descendant direct de cette lignée. Et ensuite, le chef actuel m'a anobli d'abord au village. D'abord au village, donc je suis déjà anobli au village. Et ensuite, ici, il a décidé, sa discrétion, je ne sais pas pour quelle raison il m'a choisi, il a décidé que je devais être représentant de ce village à Paris. Donc, il me revient de réunir, dès que c'est possible, tous les ressortissants de ce village dans toute la France et de lui rendre régulièrement compte. Est-ce que à tous les deux, les princesses de Monsieur Antoinette et le docteur professeur et professeur du Monsieur Sosten, chef traditionnel, il faut le rappeler, lorsqu'on vit en France, en Europe, en France dans notre cas, cette culture, vous la vivez comment? Est-ce que c'est occasionnellement, comme l'a dit tout à l'heure la princesse du Monsieur Antoinette, ou c'est quelque chose qui est pour vous un réveil matinal, une source d'énergie, d'inspiration? Disons que depuis que nous sommes revenus ici en France, nous avons essayé, parce qu'on s'est aperçu que la plupart des enfants nés des Camerounais ici étaient totalement coupés des réalités du pays, de la culture du pays. Donc nous avons donc décidé de nous organiser et de temps en temps, chaque fois, enfin, on se rencontre une fois par mois et dans la mesure du possible, on essaie de leur raconter un peu l'histoire de soit du Cameroun, soit du village, de manière que ces enfants puissent ne pas être totalement ignorants de ce qui se passe au pays. Donc vous avez gardé quand même un lien culturel et une pratique réelle, vous approuvez. Absolument. Et tout ça en évitant de verser dans le communautarisme, tout en restant camerounais, mais pas communautaire. D'ailleurs, personne ne peut vous le reprocher de former et de transmettre le savoir au sein d'une communauté, c'est légitime. Mmh. Les Européens le font, d'autres communautés le font. Mmh. C'est d'abord une culture d'une communauté pour qu'elle rencontre d'autres cultures. C'est bien cela. Donc, je voulais ajouter une chose. Absolument. C'est que le nom de Djoumessi n'est pas un nom tombé du ciel. C'est justement le nom de la dynastie de Djoumessi Mathias. Je crois que vous avez connu peut-être ce grand homme politique aussi, ministre résident, ministre résident. Voilà. Donc c'est la même famille. Voilà. Et le chef est venu ici il y a un an, jour pour jour, le 2 juin, l'installer à Grande Pompe, dans notre chefferie d'ici. Et voilà. Donc ça s'est fait dans des règles de la traditionnelle. Dans des règles. Les règles et tenues avec les beaux costumes qu'on voit. Oui. Et beaucoup d'enfants ont dit merci à notre chef parce qu'ils n'avaient jamais vu cette tradition-là. Ils ont dit que c'était la première fois pour eux. Évidemment, il y avait du monde. Parce que les gens sont venus, on leur a dit de venir avec les enfants, que c'était vraiment culturel. Et ils sont venus vraiment nombreux avec leurs enfants, qui ont dit merci directement même au chef. Hein. Bon, sans compter ceux qui nous remerciaient d'avoir pensé à eux. Ils ont dit c'est la première fois que nous avons assisté à l'intronisation d'un... Donc ici, donc, le nom du site, c'est le domaine de Montmélian, le nom de la commune.
dans c'est quel département ici? Le 95. Oui, oui. Val-d'Oise, c'est le Val-d'Oise. C'est quand même immense. Hein, c'est très, très grand, le Val-d'Oise. Et là aussi, on fait pas mal de barbecues aussi géants en été. On invite tous les... C'est l'été qui amène tout ça, là. C'est l'été qui amène tout ça. C'est l'été qui amène tout ça. Parce que franchement... Vous savez que la tradition de jardin, c'est pas... C'est maintenant chez nous que c'est vraiment, vraiment en train d'être devenu des habitudes. On entretient nos espaces verts maintenant. À Yaoundé, je suis allée, j'étais émerveillée. Ah, oui, hein. Émerveillée, émerveillée. Vous voyez, les transats sont là. On a absolument le droit de venir se prélasser ici. Voilà, le soleil. On a eu la chance aujourd'hui, je crois que le soleil était au rendez-vous. Il y a plusieurs étangs comme ça. Hein. Il y a celui-là, il y en a à peu près 3 ou 4. Hein. Justement, je suis très, très heureuse quand je vois ce lac-là, parce que vers le centre climatique de Tchan, il y a une série de lacs comme ça, sans compter que notre lac municipal, il y a un projet Nantes-Mairie de Tchan, qui est en train justement d'aménager un lac comme ça, le lac de voilà, un canal, voilà. Regarde le canal qui est là. Carrément droit sur nous. Ben voilà. Oui, ils viennent nous dire bonjour, comme ce n'est pas des sauvages. Oui. Ils sont habitués aussi aux gens. C'est trop fort. Voilà. Il dit bonjour, maintenant il repart. Et maintenant il repart. Il repart. Vous savez que les Français, au départ, là, quand ils avaient le droit de venir en France une année sur deux. Pour leurs vacances, les coopérants à cette époque-là. Et l'année où ils ne retournaient pas en France, ils allaient à Tchan. Ils allaient à Tchan. Donc, ils retrouvaient et le climat et pratiquement même l'alimentation. Les carottes que nous avons à Tchan, je ne vous dis pas. Les pommes de terre. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous manque pour aider à jouer pleinement le rôle de la princesse et du chef traditionnel? Bah écoutez, il y a déjà le facteur temps. Oui. Si vous vivez ici, vous savez qu'on passe tout le temps à courir, courir, courir. Il y a les impératifs professionnels, je crois que vous le savez aussi. Et puis, il y a aussi la tradition, qui est l'être humain lui-même, qui est en train de subir une mutation. C'est pas quand vous prenez un enfant de là-bas, c'est pas tout à fait l'enfant d'ici. Il faut pratiquement être très très patient pour pouvoir faire transmettre quoi que ce soit. Donc déjà leur faire comprendre ce que c'est qu'un chef. C'est pas toujours facile. Pour nos enfants nés ici, ils savent pas très bien quel est le rôle d'un chef. Puisque les parents ne disent rien. Voilà, c'est pour ça que nous prions. Vous êtes un peu au milieu de tout ça pour essayer de transmettre en réalité une culture qui est en train de mourir. Voilà, et c'est pour ça qu'on demande, quand nous faisons nos réunions là, aux parents d'essayer de les amener au village. Et ils vous écoutent parfois? Parfois ils écoutent. Parfois ils écoutent. Et on leur explique aussi que ça ne doit pas être un voyage comme ça. Il faut qu'une fois sur place, qu'ils aillent rendre visite au chef, sur place, ils apprendront beaucoup de choses. Les enfants, tout au moins, apprendront beaucoup de choses. Et oui. Parfois, les parents eux-mêmes ne savent pas grand-chose. Donc, voilà. Oui, princesse, mais comment, princesse du Messie Antoinette, comment vous expliquez cet abandon de sa culture d'origine, de nous, Africains en général, et Camerounais en particulier, enfin, certains Camerounais. C'est-à-dire, pour eux, la culture traditionnelle, c'est quelque chose de lointain, on s'en méfie. Qu'est-ce qui se passe là, vous qui êtes aussi observatrice de notre société en crise? Bah écoutez, comme je vous ai dit, on est en plein, la société est en pleine mutation. Hein. Elle est vraiment, vraiment en pleine mutation. Et les gens qui arrivent ici, forcément, ils partent jeunes du pays. Ils partent très, très jeunes du pays. Donc, parfois, cet aspect culturel de chez nous,
ils ne transmettent pas à l'enfant, parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. Oui. On ne transmet que ce qu'on a reçu. Mmh. Si lui-même n'a pas eu l'occasion d'avoir cette éducation, il est arrivé ici, je crois, les jeunes arrivent ici à 16-17 ans. Mais oui, vous trouvez beaucoup d'excuses aux parents, là, parce que d'autres arrivent quand même adultes et avec leur culture, sauf qu'il y a un choix, à un moment donné, vous n'y croyez pas, il y a un choix, à un moment ou un autre, de faire le moderne, comme on dit. C'est pour ça que je dis, en créant ces chefferies ici, peut-être qu'on peut arriver à trouver, je vous parle là de ce que j'ai vécu, les enfants ont dit merci, merci, nous n'avons jamais vu ça. C'est votre avis, professeur? Oui, je l'ai abordé dans le même sens. Je pense que nos chefs traditionnels ont intérêt à venir en France, en Amérique, un peu partout, installer des représentants qui puissent perpétuer la culture bambiké, ou camerounaise, globalement. Oui, absolument. La culture africaine. Et de cette façon, les gens n'auront plus d'excuses après pour dire que bon, nous sommes nés ici, nous ne savons pas ce qui se passe. Si les chefs viennent installer leurs représentants, qui joue effectivement les rôles pour lesquels ils ont été nommés. Ça, c'est aussi notre aspect du problème. Oui, le voyage coûte cher. Voilà. C'est pas à nous de s'organiser comme le fondateur de la communauté malienne, de faire venir les leurs les différentes communautés, s'ils se mettent d'accord, ils peuvent toujours payer un billet d'avion à un chef. Ça a été, par exemple, le cas de notre association. Nous avons fait le nécessaire pour que les chefs viennent ici, qu'ils se sentent bien, qu'ils repartent contents. Ben, bref, on l'a pris en charge, comme on dit dans notre métier, on l'a pris en charge du début à la fin. Bon, je pense que les autres communautés peuvent faire pareil et ça permettrait surtout aux jeunes de ne pas être coupés de leurs racines. Parce que une personne qui ne sait plus où quelles sont ses racines, ne sait pas si se sentent. Enfin, vous me direz que les Américains, les Noirs américains, ils sont américains. Mais quelques-uns ont quand même cherché à retrouver leurs racines. D'où le fameux bouquin, ou le fameux film, sur un Américain qui a fait sur ses racines. Donc, ouais. Ça veut dire que c'est un vrai problème. Oui, oui. Donc, vous venez d'en donner une piste de réflexion. Et j'espère bien que les chefs traditionnels africains, en général les Camerounais en particulier, vont s'inspirer et surtout être cette fois décidés de rappeler leur communauté pour qu'il y ait un mouvement qui se fasse de l'Afrique vers l'Europe pour transmettre ces biens. C'est votre avis, princesse je pense qu'il faut qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait... Je pense que je profiterai même de cette occasion pour féliciter et remercier le chef Wamba Djoumessi. Parlez-lui sur cette caméra, directement en votre patois, votre langue. Avant, hein? Oui. Moi, Charlet, un dem, pas au cas, pas moi, oui, à possibilité, là, le son, je l'ai. Charlet, un chef, Djoumessi Wamba, qui a inauguré cette ère-là, qui a insisté et venir ici mettre un représentant pour que cette tradition soit vraiment perpétuée. Pour que les gens nous entendent. Voilà, c'est lui qui a été le premier. Vous lui avez dit, là, pour que les autres nous entendent bien ce que vous venez, le message que vous venez d'adresser au chef traditionnel. Chef Wamba, qui a eu l'occasion, qui a le premier qui a inauguré que les autres puissent s'inspirer de son exemple pour faire exactement la même chose ici. Parce que même l'installation, c'est déjà une grande fête traditionnelle
C'est déjà une grande fête culturelle. On a vu qui dure combien de temps? Une semaine, trois jours? Il est resté, on est resté à peu près, bon, disons le jour même de l'installation, ça a duré une journée. Donc le jour officiel. Bon, ceci, il a vu des gens, il a reçu des gens en privé, il a vu les gens de la communauté. Mais le jour de la fête même, où on a invité toutes les communautés, c'était... Ça se passait ici dans la chefferie. L'ambassade était représentée. Oui, l'ambassade était représentée. L'ambassade du Cameroun. Oui. L'ambassade du Cameroun était représentée. Notre maire d'ici était également représentée. Les collègues du boulot, etc. Voilà, les collègues du boulot. Chefs, ils ont été témoins, ils ont vu... D'autres chefs traditionnels sont venus. Voilà. Quand on regarde votre élégance, votre beauté, dans une belle tenue, vous représentez finalement... La beauté de Tian, Tian la belle, comme on dit chez nous. Merci, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais alors Tian, cette belle ville que vous adorez, puisque vous ne cessez pas d'en parler, oui. Qu'est-ce qui fait la beauté de Tian, de la ville de Tian du Cameroun? Il y a tout. Peut-être parce que j'aime et que c'est le cri du cœur. Et que c'est peut-être le cri du cœur. Il y a déjà le climat qui est très, très agréable. C'est les beaux jours du printemps d'ici, déjà. Constamment. Il y a l'alimentation. Comme tout je vous ai dit... Que la terre est fertile. Ben, que... Quand je pars d'ici, je ne suis pas du tout dépaysée à Tchamp. J'ai autant de carottes, autant de pommes de terre. Il est bien vrai que j'ai mangé ça quand j'étais enfant. Mais une fois arrivé en France, j'ai retrouvé les mêmes aliments. Donc, vraiment, je me plais là-bas. Il y a le temps qui est très clément. C'est la montagne aussi. Les gens en médecine, nous préconisons des repos en montagne. Donc, vous retrouvez là gratuitement, vous bénéficiez de ce climat. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Tian, allez ou venez à Tian découvrir une des belles régions du Cameroun. Du Cameroun. C'est votre message. Hein. Ça, c'est vraiment ce que je peux dire. Oui. Le beau département, comme disait les... La belle province du Cameroun. Quoi. Manège du savoir, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que Princesse du Messie Antoinette était notre invitée face aux caméras de Martin Kay, une production de la CIR TV en collaboration avec MT Productions. Au revoir et à bientôt.